Dans cette vidéo, je vais te parler de comment et pourquoi arrêter de boire la bière. Ouf! Enfin, nous nous sommes finalement séparés. Oui, tu as bien compris, j'ai divorcé avec elle. Ça fait très mal de l'entendre. Je sais que tu veux bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que nous sommes arrivés à ce point. Mais avant ça, j'aimerais te raconter comment on a fait pour se rencontrer. Nous nous sommes rencontrés un soir à Chang, à une fête. Les gars m'ont vraiment poussé, m'ont excité à aller vers elle. Et puis, j'ai essayé et... entre guillemets, j'espère qu'on se comprend. Et voilà ce qui est arrivé. Les amis m'ont poussé à la tester, je l'ai testée. Et m'a troublé toute ma vie depuis plusieurs années. Mais maintenant, je crois que je me suis libéré. Depuis que je me suis séparé d'elle, je suis à l'aise. Toi, si tu veux te libérer de la bière, regarde la vidéo que je vais publier après ce petit post de quelques minutes. Celle avec qui je me suis séparé, c'est la bière. Je suis toujours marié. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter. Et surtout, des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Dans cette vidéo, je vais continuer par rapport à ce que je vous ai parlé dans mon short de la semaine passée. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu peur, des cœurs ont battu. Ça, je le comprends. Et ceux pour qui les cœurs ont battu sont vraiment mes vrais abonnés. Ceux-là qui n'aimeraient pas me voir divorcer. Ceux-là qui aimeraient toujours de succès, me voir heureux. Alors, je vous dis merci pour avoir cru en moi et pour avoir eu peur par rapport à cette vidéo. C'est tout à fait normal. Mais également, je sais aussi qu'il y a certains de l'autre côté qui étaient contents, ceux qui jubilaient, que le gars-là, il se croyait pour un prophète. Il passait le temps à raconter ici, par-ci, par-là. Non, les amis, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas le cas et ça va jamais arriver. Si Dieu nous protège comme il le fait toujours. Alors, je vais passer à la chose la plus importante de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment et pourquoi arrêter de boire la bière. Je vais parler de la bière, juste de la bière. On va pas englober avec l'alcool, le vin rouge, mais arrêtons-nous d'abord à la bière. Après qu'on va quitter sur la bière, je vais avancer sur le vin rouge et l'alcool et tout le reste, les cigarettes. Je sais qu'il y a tellement de choses. Si on vous parle pas, vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses que si on ne vous explique pas les méfaits, c'est vrai qu'on passe autant à dire que ça a des avantages. Et vous-même, vous voyez, mais sauf que vous êtes tellement Thomas. Vous voulez que ça vous arrive avant que vous puissiez comprendre que, oh, en fait, je suis sur la mauvaise route, il faut que j'abandonne. J'ai fait plusieurs vidéos parmi lesquelles je t'explique ce que tu dois faire. Je te parle des bonnes choses. Et toi, si tu as un rêve de venir aux États-Unis d'Amérique, commence déjà par arrêter la bière. C'est une chose que si tu continues à faire dans ce pays, tu vas te retrouver derrière les barreaux avec les menottes. Je vais te donner quelques petits points pour lesquels tu devrais arrêter de boire la bière. Et après, je vais te dire comment est-ce que tu vas faire pour arrêter de boire la bière. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi toi tu veux à tout prix me combattre. Toi-même, tu es conscient de toi en moi. Nous savons que la bière fait plus de dégâts que de choses positives. Et je vais te raconter plusieurs anecdotes, plusieurs histoires que j'ai vécues, j'ai vues. Mais certains qu'on m'a aussi raconté. Je vais te faire part de toutes ces histoires, toutes ces anecdotes que la bière a pu causer et tous les dégâts. Et toi, si tu es toujours Thomas et que tu crois en la bière comme des gens croient en Dieu, alors mets-moi en commentaire quelques points positifs que tu as eu comme bénéfique par rapport à la bière. Et nous allons discuter en grand assis autour d'une table en buvant de l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, j'attends tes commentaires. Voici quelques anecdotes, quelques histoires vraies vécues par nos confrères. Vécu en live par des personnes qui ont consommé la bière et qui se sont retrouvées du mauvais côté. Ils se sont retrouvés au mauvais côté, au mauvais endroit et parce qu'ils ont bu la mauvaise chose. Écoute la première anecdote. Je m'appelle Claire, je suis une Africaine. Je vous raconte cette histoire parce que depuis que c'est arrivé, j'ai décidé de mettre fin à l'alcool. Je vous dis, j'ai versé toute mon histoire, toute ma vie, toute l'histoire que chacun cache et chacun ne veut pas raconter, je l'ai racontée au vu de tous publiquement. Il s'agit de l'histoire de ma perte de virginité.
je l'ai raconté à tous. Après avoir bu une, deux, trois, quatre bières. Et depuis ce jour, j'ai mis fin à la bière. Je les ai dit comment ça s'est passé. Je les ai dit avec qui je l'ai fait. Je les ai dit, imaginez-vous, ça c'est souvent des secrets des femmes, des secrets des jeunes filles que nous cachons au fond de nous. Nous n'arrivons même pas à dire à nos parents, à nos amis, à nos frères et soeurs, à nos proches. Mais j'ai raconté ça à tout le monde. Je suis vraiment touchée et j'ai honte d'en parler encore aujourd'hui. Cette affaire m'a rendue dingue. Et j'ai bavardé comme une imbécile, j'ai raconté tout ce qui s'est passé de ma vie, je regrette amèrement. Et c'est juste une petite histoire, il y en a plusieurs. Je connais des copines qui ont fait des parties de jambes en l'air juste après avoir bu une, deux, trois, quatre, cinq bières. Et nous tous, parfois, nous nous sommes retrouvés et puis nous avons dit stop à la bière. Surtout à l'âge de la jeunesse, quand nous sommes encore bien jeunes et que nous commençons avec cette affaire, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, je fais ce message juste pour passer un message à nos frères et surtout à nos sœurs, nos petites sœurs, celles-là qui viennent de découvrir le monde, celles-là qui partent en boîte de nuit danser avec des garçons irresponsables. Ces garçons, ils vous amènent à boire de l'alcool et vous saoulent et font de vous ce qu'ils veulent. Restons vigilants, les amis. Ne nous faisons pas détourner à cause d'une petite histoire de quelque chose à boire. Restons sereines, les filles. Je m'adresse surtout à vous, les jeunes filles d'aujourd'hui. Ne faites pas comme nous autres. Nous sommes sur le point du regret. Nous avons perdu notre virginité sans nous en rendre compte. Nous avons porté des grossesses indésirées sans nous en rendre compte. Ne faites pas comme nous, les amis. Ne faites pas comme nous, chères sœurs. Merci. J'espère bien que ce message est passé. Bien. Bye bye. Alors, merci à Yannick de me passer la parole, de me permettre de m'exprimer face à ce podium par rapport à tout ce que l'alcool m'a fait de manière négative. Je suis un chef d'entreprise. Je bois comme il n'en faut pas. Je bois comme il n'est pas permis et je bois comme je respire. Surtout cette affaire de bière. J'ai un ventre qui est déjà comme un ballon d'or. Les gens me demandent parfois si je suis enceinte. Et plusieurs personnes sont même dépassées, se disent que c'est la maladie. Tout ça, c'est la bière. J'ai commencé à boire la bière depuis que je suis mineur. Je buvais et je rebuvais. Maintenant, je ne sais plus comment m'arrêter. Je suis un chef d'entreprise. Je perds les contrats. Chaque fin de mois, je n'arrive pas à gérer des rendez-vous parce que à la veille, je suis sous comme ivre, comme une abeille. Et le lendemain, je me trouve en train de m'oublier au lit. Alors même si je parviens à me réveiller, je me retrouve dans une salle de réunion avec des messieurs responsables, respectueux. Et je n'arrive pas à m'exprimer tout simplement parce que je suis dingue. J'ai encore la gueule de bois. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va continuer à boire et se retrouver dans ce genre de situation. Mieux vaut on arrête tout. Ma famille, ma femme et tout le reste, nous sommes partis même dans les villages rencontrer des marabouts pour pouvoir trouver une solution pour que je puisse arrêter de boire. J'ai arrêté pendant 1, 2, 3 jours. Après, je me suis retrouvé encore dans les caniveaux pour boire et boire et boire. Chers frères et sœurs, chers frères et petits frères, si tu n'étais pas encore retrouvé dans la position de boire de l'alcool, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de ne même pas commencer. Parce que dès que tu vas commencer, ça va être très difficile pour toi de t'arrêter. C'est ce que je vis aujourd'hui. Je suis un fou, ivre, toujours sous, comme une abeille. Et quand il fait soleil, c'est la fin du monde. Merci, à la prochaine. Alors voici notre histoire d'une jeune africaine qui a bu de l'alcool, de la bière et puis finalement s'est séparée de son mari. Elle va vous raconter ce qu'elle a eu comme déboire après avoir bu. Je m'appelle Elodie, j'ai bu la bière, je buvais la bière. Mais aujourd'hui, je m'en suis libérée. Je me rappelle la dernière fois que j'ai bu la bière, c'était à Windmars. J'ai fait la bêtise. J'ai fait ce que quelqu'un ne peut même pas s'imaginer. Je me suis mis à danser comme une folle. Mr. Young P, dansez-vous dans la gamme.
Daddy confirme, les pépites s'expriment. Bouche la body, body, le DJ bondit. Stop sa platine, mon reading patine. Patine comme et ball, toutes les filles la piétine. Aïe, t'es vraiment très belle. Bouche ton body, body, et lève-moi tes ailes. Mr. Yalpi, vas-y, bouge, bouge, bouge bien ton corps. Balance à gauche. J'ai soulevé le Kaaba, comme vous entendez les gens dire, et un garçon m'a fait ce qu'il ne fallait pas faire aux yeux de tous publiquement. Les gens ont filmé, ils ont présenté toutes ces vidéos à mon mari et nous nous sommes directement séparés. J'ai bien honte lorsque mes vidéos passent dans tous les réseaux sociaux, lorsque les gens les regardent, lorsque les gens les montrent à mes enfants. Ça me fait vraiment honte. Et j'aimerais pas que vous vous trouviez dans ces mêmes situations, mes chères sœurs. Évitez de vous trouver dans les situations en train de boire les bières, en train de boire des alcools sans vous contrôler. Évitez cela. Je suis à ce point, je regrette. J'ai perdu la garde de mes enfants. J'ai perdu mon mari, nous ne sommes plus ensemble. Et mes vidéos sont en train de faire le tour des réseaux sociaux. Et j'en souffre tellement. À un moment donné, j'ai voulu me donner la vie. Mais je me suis rapprochée de quelqu'un qui m'a donné des conseils et qui essaye de me ressoulever. Je crois que je regrette. Et ce n'est que ça que je peux dire. Je regrette. Je regrette. Il n'y a aucun bienfait par rapport à l'alcool, par rapport à boire la bière. Il n'y a rien. Même quand on dit qu'il faut boire juste un peu. Parce que le petit peu, là, dès que tu vas commencer, tu vas boire un peu de un peu. Après, tu vas encore boire un peu d'un peu d'un peu. Et tu vas te retrouver en train de boire beaucoup. Donc si tu peux, arrête complètement, bois de l'eau. Merci. Alors vous avez pu comprendre ces quelques petits témoignages des gens qui ont été touchés, des gens qui ont pris l'alcool et se sont sentis affectés et qui ont été affectés pendant toute et toute leur vie. D'autres qui ont des chagrins, d'autres qui ont des émotions, qui ont des cœurs blessés, d'autres qui ont des sentiments dégagés, décassés, détruits. Il y a quoi d'autre? Également, je vais attirer votre attention. Si vous vous rappelez bien, pendant la période du confinement, les jeunes se posaient déjà des questions du genre existentiel. Des questions du genre, pourquoi il n'y a pas de route dans notre pays? Pourquoi est-ce que la santé n'est pas bonne? Pourquoi est-ce qu'on nous livre de l'eau sale dans les robinets? Pourquoi à tout moment, il y a des lestages d'électricité? Et à ce moment, les jeunes commençaient à réfléchir. Ils réfléchissaient pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la bière pour les abrutir. Il n'y avait plus cette boisson pour pouvoir les éviter à réfléchir mûrement, à réfléchir sur les problèmes de la vie. Il n'y avait plus cet article qui va les empêcher d'être matures. Et dès que la jeunesse a commencé à réfléchir de manière positive, Babylone a ouvert encore les bars. Et quand il a ouvert les bars, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont oublié tous les problèmes qu'ils avaient. Ils ont encore recommencé à boire, à boire, à boire. Ils ont bu leur cerveau au point de ne plus penser au futur, à ne plus penser à leur avenir. Je ne sais pas si vous pensez que c'était une bonne option de se remettre dans cette situation. Vous avez déjà bien pris l'élan, vous avez déjà bien pris le recul. Vous avez compris que la bière était quelque chose de négatif pour vous. Mais dès qu'on a réouvert les bars, vous avez tout recommencé. Vous avez effacé tout ce qui était déjà dans votre mémoire. Vous avez oublié qu'il y avait des problèmes qui étaient autour de vous. Vous avez oublié que vous avez votre avenir, votre futur, que vous avez vos enfants et que vous devez vous marier, par exemple. Il y a un tas de choses que vous avez oubliées parce qu'on a réouvert les bars. On a ouvert ce robinet pour vous abrutir. Et lorsque je vous parle, vous êtes en train de me viser des flèches. Vous vous dites là que la bière est tellement bien, la bière c'est pour laver les soucis, la bière c'est pour ceci, pour cela. Si tu as beaucoup d'arguments pour nous prouver que la bière est tellement quelque chose de bien, mets-les en commentaire. Donne-moi en commentaire quelques points qui t'ont vraiment permis d'évoluer, quelques points qui t'ont ouvert plusieurs portes par rapport à la bière. Donne-moi en commentaire quelques arguments qui vont permettre à quelqu'un de laisser de l'eau pour boire la bière, pour s'abrutir, pour dépenser son argent. Et toi, tu te dis que tu fais la concurrence, tu dis que tu es le meilleur buveur du quartier. Dis-toi que pendant que tu te bats à boire un casier de bière pour concurrencer ton ami qui en a bu 10 bières, il y a plusieurs milliers, millions de tonnes de bière qui sont en train d'être fabriquées à la même seconde. Tu te dis, tu fais le combat avec qui, mon frère? Tu fais la course avec qui? Tu es en train de
gâter tout ton corps. Ton estomac est en train de filtrer ces liquides. Tu es en train de détruire ta vessie qui est en même temps en train de filtrer le bon vin, du mauvais, l'eau sale, de l'eau propre. Tu es en train de te détruire. Allez, ouvre les yeux, lève la tête et regarde droit devant toi. L'avenir est devant. Je crois t'avoir bien expliqué certaines choses. Et je crois que d'ici là, nous allons avoir plusieurs jeunes qui sont conscients, qui veulent évoluer. Et sur la chaîne Ton Repère, nous avons multiplié plusieurs vidéos pour vous permettre de vous ouvrir l'esprit, pour vous permettre de rêver grand. Et dès que tu auras rêvé grand et que tu veux toucher la lune et que la lune te dépasse, tu auras au moins touché les étoiles. Je crois que je vous ai tout dit. J'étais un gros buveur de bière, mais je ne buvais pas jusqu'à boire mon cerveau. Mais la bière m'a quand même rendu dingue l'un de ces quatre matins. Un jour, j'ai bu la bière et puis je me suis dit, quoi bon perdre son temps, à quoi bon perdre son énergie, perdre son argent, perdre sa responsabilité. Parce que dis-toi que lorsque tu es ivre, lorsque tu es sous, les gens te manquent du respect. Tu vas voir dans la famille, les petits-enfants sont en train de t'insulter, te parler n'importe comment, juste parce que tu es à tout moment sous. Tu n'arrives pas à garder ton sang-froid, tu es toujours en train de vouloir boire. Lorsqu'on garde un whisky, tu ouvres, tu bois, tu guettes, tu regardes si les gens te regardent avant de boire. Tu deviens esclave de la bière. Lorsque tu pars dans un bar, tu tapes les mains, pardon, donne-moi une bière. Tu deviens esclave. Les gens te manquent du respect parce que tu es en train de tapoter la main pour demander une bière de 500 francs. Et je dis toujours à tous mes amis, à tous les confrères, à un moment donné, vous allez avoir la bière à gogo. Vous allez avoir du whisky, du vin rouge autour de vous. Vous allez manquer du temps pour boire. Et il manquera du temps pour boire parce qu'il y a plus important à faire. Vous allez manquer avec qui boire. Et toi, si tu veux venir aux États-Unis d'Amérique, prépare-toi déjà. Aux États-Unis, il n'y a pas des endroits et allons prendre un pot, allons boire une bière. Non, mon frère, qui va avoir ce temps-là, aller boire les bières chaque jour avec toi? Ils n'ont pas ce temps. Les gens doivent travailler, les gens doivent chercher leur argent, les gens doivent avancer, les gens pensent au futur, les gens pensent à leur avenir. Tu vas inviter des gens, tu vas leur demander de boire l'alcool, ils vont boire aujourd'hui et demain, tu vas boire avec qui? Tu vas payer ton loyer comment? Donc, prépare-toi, mon frère, psychologiquement avant de venir aux États-Unis d'Amérique. Je sais que c'est ça ton plus gros rêve. Si tu suis cette chaîne, c'est que tu rêves de venir ici aux États-Unis. Mais dis-toi que si tu vas venir aux États-Unis d'Amérique, oublie le côté boire les bières. Parce que lorsque tu prends le volant et que tu es ivre, on te retire ton permis de conduire. Tu payes des amendes à la hauteur de 1 000 $ qui donnent environ 500 000 francs CFA. Tu es prêt à payer cela à cause d'une bière de 500 francs que tu as bu? Je ne crois pas. Tu vas regretter. Alors, je ne vais pas tirer de long en large par rapport à cette vidéo. C'était juste pour attirer votre attention par rapport au fait que vous êtes aveuglé par l'alcool, pas la bière, pas ce liquide que des gens sont en train de fabriquer, mettre des produits chimiques et vous vendre. Je ne sais même pas si ça a un goût. On boit, on ne sait pas ce qu'on boit. Donc, prends une petite pause. Dis-toi que, ok, si j'arrête de boire l'alcool, garde les 500 francs que tu utilises chaque week-end ou alors chaque soir pour acheter une bière. Décide-toi, crée une caisse, lance à l'intérieur 500 francs tous les jours, chaque week-end, dépendamment de comment est-ce que tu bois la bière au quotidien. Et puis tu verras combien est-ce que cette somme va te donner à la fin d'année. Allez, essaye ceci et tu me dis, tu me donnes le résultat à la fin. Parce que je vous donne toujours des astuces, même comme à la fin vous avez des résultats, vous ne partagez pas avec moi. Mais là n'est pas le problème. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, partage-la à tous les autres confrères, à tous ceux-là qui sont toujours en train de boire l'alcool et qui se demandent comment ils vont arrêter, qui se demandent est-ce que vraiment l'alcool est bien pour eux, ceux-là qui n'ont même pas encore compris que l'alcool est quelque chose de négatif, ceux-là qui ne sont pas encore conscients parce que à un moment donné, tu seras en train de boire la bière, tu seras dominé par la bière, tu seras dominé par l'alcool. Tu ne sauras pas comment arrêter. Tu ne sauras même pas qu'elle est en train de te détruire parce qu'elle a pris le dessus sur toi. Lève-toi, prends ta vie à main, décide-toi de ce que tu vas en faire. On ne renvoie plus rien et change le cours de ta vie maintenant. Allez, c'est parti. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère. La boussole des Africains en Amérique. Merci.